Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire une live réaction à l'épisode 9, saison 2 de Boku no Hero Academia. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier épisode? C'était la suite du tournoi, là. La suite du tournoi, On a voilà. expédié tous les combats les moins importants, quoi. Exactement. Exactement, tous les combats ont été expédiés. Et là, on arrive au combat Deku contre Ochako. Pas Deku. Non, pas Deku. Bakugo. Putain. Kachan. Voilà, Kachan. Donc là, évidemment, qui va gagner? Tadadada, le grand suspense. On ne sait pas. On ne sait pas, à voir. Allez, moi je mets une piécette sur Ochako. Oui, bien sûr. Alors, je mets une piécette sur elle pour être gentil. Oui. Parce qu'elle est gentille. Mais je sais bien qu'elle va perdre. Donc c'est de l'argent mal investi, mais investi pour être sympa. Ah, voilà, ouais. La charité. Voilà. Je mets une pièce de 1 euro. Voilà. Histoire de... Ça fait déjà beaucoup. 50 centimes. Voilà. Bon, voyons voir ce que ça donne. Pas juste là, parce que ce qu'elle vient de dire, j'accepte venant d'elle, mais je ne l'avais pas accepté il y a quelques épisodes en venant de Monsieur Turbo dans les mollets. Pourquoi? À savoir. Ah, parce que, comment dire? Parce que elle, j'ai pitié d'elle parce qu'elle va se retrouver face à quelqu'un qui elle peut pas battre. Voilà pourquoi. Et puis on est dans un concept de one-one, tu vois, donc c'est plus pareil, tu vois. Ouais, bah oui. C'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Ils ont exactement la même raison, finalement. Mais non, mais c'était pas pareil, parce que tout à l'heure, dans les épisodes précédents, on était dans un concept de travail d'équipe. Et alors? Alors du coup, ça change pas le fait qu'à un moment ou l'autre, il y a bien des moments où tu vas pas toujours travailler avec ton pote. Non, mais je suis d'accord. Alors que là, on se retrouve dans un truc de one-one, ils sont obligés de s'affronter de toute manière, tu vois. La détermination dans le regard. On va se laisser faire comme ça, il est pas con quand même. On tient ça, au risque qu'il va pas lui mettre une fente. C'est une variante. Bien joué. Allez. Aïe 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 aï
Ah, ça fait peut-être partie de la tactique. La tactique de quoi? Tous les gars, faut qu'elle s'approche pour le toucher. Ouais, mais elle a peut-être prévu quelque chose. C'est peut-être à force de soulever la poussière du stade ou je sais pas moi, elle faut trouver un truc. Elle a bien dû réfléchir à quelque chose quand même. Suzu, détermination. ねえ、ダンスしてくれなくて。僕号の距離ならともかく、客席にいながら気づかずブーイングしたプロは恥ずかしいね。低姿勢での突進で爆豪の打点を下に集中させ続け、武器を蓄えてた。そして、絶え間ない突進と爆炎で相手の視野を狭め、悟らせなかった。 Voilà, je me disais bien, tu vois, je me disais bien qu'il y avait un truc, c'était obligé. C'était obligé. Quelqu'un d'autre, ok, mais. Faut être lucide, réaliste. Merde. Sérieux? Ça? Oh non! Oh non! Ouais, non. Mais non, relève-toi, merde! T'as un personnage de shonen ou pas? Relève-toi! Ok, pas le personnage principal. C'est vrai, c'est vrai. Yana, un coup de flashback, tu vas réussir à te relever. Y'a rien de mieux que des flashbacks pour qu'un personnage se relève. Je ne peux pas abandonner. Non, c'est fini. Merde. Ah, fais chier. Dommage. Non, j'aurais voulu qu'elle perde, mais éjectée du ring ou... Ouais, mais non. Je sais pas s'ils vont le dire, mais c'est parce qu'il y a une limite à son pouvoir aussi. Si elle l'utilise trop, ouais. Avant, tu le voyais, quand elle l'utilisait trop, elle finissait par vomir. Hein. Tout ce qu'elle a fait, on ne pouvait pas faire plus. そみてえな策はよ。厄介なことしやがって。ふざけんじゃ。全部、うららかさんが君に勝つために考えて組んだんだよ。厄介だって思ったんなら、それは、うららかさんが君を翻弄したんだ。お、爆豪。なんか大変だったな、悪人面。
組み合わせの妙とはいえとんでもないヒールっぷりだったわ、バクゴーちゃん。うるせんだよ、黙れ。まあしかし、か弱い女の子によくあんな思い切りのいい爆破できるな。俺はもうつい遠慮しちゃって。完封されてたわ、雷ちゃん。あのな、ついちゃん。どこが通えんだよ。いやー、負けてしまった。Il y a le point bien. Bon, de toute façon, alors, on va pas être en dépression pendant 3 épisodes. C'est pas un tournoi pour gagner 30 millions en plus. Ouais. Ça y est. Ah, c'est ça. Explication. Oh, quel bonhomme. Faut qu'elle arrête, elle. Faut sérieusement qu'elle arrête, elle. Son fétichisme des puceaux, là. C'est inquiétant. C'est quoi, ça? Allez, on va se taper des petites secondes, c'est ça? Oh, Japon, là, faut arrêter. Ah, c'est son tour, là, direct. Ah oui. Du coup, bah ouais. Quand... Oh là, ça va être un bon combat, ça. Par contre, c'est bizarre que ça arrive aussitôt. Pourquoi aussitôt? C'était déjà prévu que si ils ont combattu en premier. Là, le tour il est fini, donc c'est normal. Hein. Non, mais je veux dire, dès le départ, ça m'étonne qu'il ait pas prévu de faire ça plus. Tu vois, que l'auteur ait pas prévu de réserver ce combat-là pour un peu plus tard, tu vois. Parce que après, il reste qui aussi. Après, en même temps, à la fin, il veut peut-être le mettre contre Kachan, c'est peut-être ça aussi. La séquence émotion. La séquence émotion. La séquence qui donne envie de la soutenir, tu vois. Si tu la soutenais pas déjà avant. Oui, non, mais là, tu vois, pour la suite, pour l'avenir, quoi, tu vois. T'as même ses baskets et son feu. C'est de classe. Oh, t'es où là? Ou alors, faut pas. Par contre, retiens-toi de dire des smash et je ne sais quoi d'autre. Oui. Ah, donc je veux qu'il te batte. Comme il va perdre. D'ailleurs, le seum contre son fils, on connaît la suite. Incompétent! Incapable! Si tu avais utilisé mon pouvoir, tu l'aurais battu! Parce qu'il va vouloir utiliser que la glace, il va perdre à cause de ça, tu vois. Peut-être que s'il utilise les deux, il pourrait le battre, mais comme il va pas le faire, il va perdre. Donc... Qui c'est qui m'a répondu, cette petite merde? Attends. Le potentiel est là. Le potentiel héroïque. En tout cas, là, va falloir y aller à coup de win for all. Là, il n'y a pas le choix, là. Là, je veux qu'il utilise ça et puis qu'il voit que son bras s'est pas cassé, tu vois. Qu'il dise ça. Pas arrêter de chialer. Excuse-moi, la voix de la sagesse.
j'ai de meilleurs conseils que toi. Ferme-le. La classe. Bah, faut tout donner alors. Oh putain, là je suis chaud là, combat là. Observe bien. Midoriya ga Todoroki no futokoro ni tobikomeru ka dou ka da na. Ano hyoketsu. Deku-kun dou suru nda? Vous vous doutez pas de ce qu'il peut faire. Kumite sonero Shigaraki to. Karera wa izure kimi no shouheki ni naru kamoshirenai. Mission. Sa mitai na hanashi da. Ils observent leurs futurs ennemis. Ah, ça y est. Daron, elle est au taquet devant sa télé. Voilà, elle va faire une crise cardiaque. Ça me fait chier, vous savez que ça allait finir. Mais évidemment. Mais bon, ça n'empêche qu'ils n'ont pas perdu de temps et qu'ils ont bien regardé le truc. Oui, c'est sûr. Parce qu'ils auraient pu rallonger le combat d'avant. Bon, c'était un bon épisode. Hein. Comme, bon, bah, comme prévu, Uchako a perdu. Hein. Ça allait bien, que ça allait finir comme ça. Voilà, c'était le format Neji et Hinata. Hein. Exactement. Même si elle s'est bien défendue. Oui. Il n'y avait rien pour elle. Pouvait pas gagner, non. Elle aurait gagné, ça aurait été même été débile, ça aurait même été débile, tu vois. Ah ouais. Non, il aurait crié au bullshit. Il aurait fallu que Kachan il s'assoie quoi, pour qu'elle gagne. Ou ouais, même qu'il abandonne, tu vois. Ah ouais, bon. Donc elle a perdu, elle était déçue évidemment, elle a appelé son père et tout ça. Ouais. Mais bon, voilà, on nous vend ça comme à l'avenir, elle fera mieux. Voilà. À l'avenir, voilà, elle fera mieux. Peut-être qu'un jour, elle va gagner, tu vois, ou même surpasser Izuku, Ketchan ou Shoto, tu sais, dans un domaine. Oui, dans vois, un domaine, oui. Voilà, dans un domaine ou sur une mission, un voilà, truc, voilà, où qu'elle va faire mieux que voilà, puis. Voilà. Ah, sinon, bien joué, hein, putain, t'as progressé. Ouais, ça, mais sinon, ouais, c'est clairement le top 3, le top 3 du futur. Ah bah oui, ça, forcément. C'est déjà donné, c'est déjà clair. Le Monster Trio, c'est la Trinité, c'est blablabla. Exactement. Et du coup, bah, la semaine prochaine, ça va être Izuku contre Shoto. Hein. Qui va gagner? Ah ah, quel grand suspense! Ah bah, moi je sais! Quel suspense! Ouais, suspense insoutenable. Pour certains. Ah bon, bah voilà. Il s'agit juste de savoir comment il va gagner. Quoi. Mm-hmm. Et puis, évidemment, ce qui est aussi un autre truc, c'est de voir. À quel point le combat va être bien amené quoi, en animé. Ouais. Après je pense que ça va être comme dans le manga quoi. On a une forme assez tu vois, vu comment le combat il se passe dans le combat, c'est dur de faire autrement. Donc je pense qu'ils vont suivre à l'aise ce qui s'est passé dans le manga et c'est juste que voilà quoi, ça va être ouf visuellement. Quoi. Ah, ouf. Putain, je suis pressé d'être la semaine prochaine. Ouais, moi je suis chaud. Hein. Parce que ça va donner. Moi je suis chaud. Ce que ça va donner la semaine prochaine, je vais être là. D'un coup! Allez, let's go! On va sortir le fagnon, tout ça. Ah, let's go là! Let's go! One for all! Mais il est où? One for all là, putain! Briser le mur de glace et on n'en parle plus, que tout le monde soit là. C'est ça que je veux. Que Almighty dise. Voilà, mon successeur. Il est là. Il le sait déjà, mais. Voilà. Oui, mais que ce soit la confirmation, parce que là, il se bat contre un gamin qui a un putain de potentiel aussi. Ouais, ouais. Donc, d'habitude, c'est juste du par la vraie confirmation, c'est s'il arrive à la finale et qu'il gagne la finale aussi.
Là, ce sera juste une étape. Oui, ce sera sûr. Juste une étape. Ah, bah, ouais, bah, putain d'étape, hein. Battre Choto, c'est déjà pas oui, mal. Oui. Même qu'il perdrait la finale, tu vois, c'est déjà pas mal. Oui, mais quand même. Ah non, je veux qu'il batte Ketchan. Je veux qu'il le batte. Salopard. Il a battu Ochako. Tu vois, alors que. Tu vois, vous voulez gagner. Vous voulez donner la thune à ses parents. Alors. Tu vois, la démotivation qui te touche. Ouais, ouais. Oui, mais alors. C'est mais pas bon. Parce que t'es. Et c'est. Déjà, ça, c'est un truc réaliste aussi. C'est pas parce que tel personnage a une histoire à l'eau de rose qu'il va forcément gagner, tu vois. Oui. À côté, il y a toujours un mec qui il est là, il va gagner parce que justement, il est juste là pour gagner. Fuck les autres, je veux gagner, donc je gagne. Point. On fout que tu viennes du ghetto ou de je sais pas où. Non, moi je veux gagner. Mais si j'ai la possibilité de gagner, bah, je gagnerai. Fuck toi. C'est tout. C'est ça, Ketchan. Oh, je suis d'accord. Pour ça, j'aime le personnage. Je suis d'accord. Il l'a pas sous-estimé. Il l'a pas sous-estimé. Il a dit, oh, elle traîne souvent avec des coups, elle va me mettre à l'envers, elle doit avoir un plan, une tactique. Ouais, et en plus, elle a pas un pouvoir de merde, tu vois. Mmh. Parce que bon, ça aurait été quelqu'un d'autre. C'est pour si ça que ça aurait été quelqu'un d'autre, même s'il traîne avec des coups, il serait dit, vas-y, toi, vas-y, on bat les couilles. Et... Genre Mineta, oh, tu traînes avec des coups, tu veux faire quoi avec tes boules? Allez, dégage. Il était. Ça, c'est pour ça que dès la première attaque, il l'a. Oui. Il l'a frappé, ah, tu oui. vois. Il a su qu'il pouvait pas se permettre. Oui. Il s'est méfié. Ah, pas de faux pas. Mmh, il s'est méfié. Bon, non, en tout cas, l'épisode était cool comme d'habitude. Hein, et, du coup, vivement l'épisode, le prochain épisode. Alors, le prochain épisode, je vais le kiffer. Ah, bah, moi, je vais le kiffer aussi. Mmh. Voilà. Tchuss.